Et alors? Eh ben, elle remarche. Bon, j'y retourne, moi. Le type a eu du mal à trouver le numéro, mais il a réussi. Il est bon, lui, hein? Oui, oui, vas-y. Mais ben, allez, c'est reparti. Dans deux jours, elle est reclaquée, ta bécane. Je comprends pas qu'on s'empoisonne l'existence avec ces vieux machins-là. L'ennui. Occupez-vous. Moi, je vois que ça. C'est tout ce qu'ils ont trouvé? S'imposer des contraintes débiles au quotidien? Alors, explique-moi. Ben, moi, je parlerai pas mon temps comme eux. Ça, c'est sûr. Donc, tu prends 50 grammes de bécane. Regarde ce que t'as fait. Eh mais j'ai pas fait exprès. Bah bravo, j'ai le cul coincé maintenant. Et toi, viens m'aider au lieu de te marrer. Mais j'ai rien fait moi. Bon bah viens m'aider maintenant. T'as qu'à manger moins gras, hein. T'auras un moins gros cul. Ah oui, oui, très drôle. Allez, dépêche-toi. Oh, c'est bon. Vas-y, je me casse. J'entrerai plus tard, moi. Fais attention. Ouais, ouais. T'as pas une feuille? Iquette? T'es là? Tu rentres, hein? Salut Marcel! Mais où est-ce que t'es encore barré? Attention jeune fille! Attention jeune fille! À toi!
Arrête, arrête. Mais bordel, qu'est-ce que t'as foutu? Ça fait deux plombs qu'on t'attend. Marcel et Fleurax, hein. Ça va chier pour ta gueule. Ouais, non, mais attends, mais regarde ce que j'ai trouvé. Mais t'en as pas marre d'accumuler tous ces gadgets inutiles? On dirait vraiment que tu fais exprès de faire tout ce qu'il faut pas la faire. Faire, mais ça va, hein. Avoue, t'as rien d'avoir un comme ça. Mais pourquoi faire, sérieux? T'as vraiment rien écouté un tour, toi. C'est quand même plus classe avec la machine qu'avec cette âne débile, non? Hein? Tu trouves pas? Piquette, ma fille, tu m'emmerdes. Déjà que tu te pointes l'après-midi sans prévenir, et maintenant faut que je t'explique qu'on est en train d'entamer sérieusement notre quota carbone autorisé. Et qu'au début de la saison, il va falloir que je fasse déjà une demande de batterie à la mairie à cause de tes conneries à répétition, là. Je te préviens, hein. Pas intérêt à encore chourer la machine pour te barrer je ne sais où. Mais je l'ai pas prise là, c'est bon. Chut, tu te tais. Donc après, tu fais chauffer au bain-marie ton moulin, puis tu rajoutes tes poudres en mélangeant bien. Oh là, attends, faut que je note. Ensuite. Putain, je suis encore pétée. Faut que je m'enroule un petit. Attends, je vais allumer. Tu dégages tout de suite ce fœtus de la maison. Mais c'est un enfant? Non, un nourrisson, sans cerveau, à bout de viande. On s'en débarrasse. Mais je vais l'élever. Je vais m'en occuper. On s'en débarrasse maintenant. Il y a déjà un enfant dans cette maison. Toi, rien ne nous permet d'en accueillir un autre. Allez, tu l'as trouvé au mur, hein? M'en fous de ces lois à la con. Lâche-le! Lâche-le! Laisse-moi! Non! Ah! Maintenant, tu vas mourir. Mais avant, souffrir un peu.
attention, je brûle. Ah! Mais maman, on t'aime. Mais... Te tiens. Non, ah! Oh merde, tu vas crever. C'est pas vrai! C'est pas possible! Tu vois ce que l'écran derrière le mur nous oblige à faire? Il y a un équilibre à respecter, Iquette. Les ressources ne sont pas renouvelables, contrairement à ce qu'ils croient. Fabriquer une éolienne nécessite des énergies fossiles. Stop. Et... Je sais ça. Je sais tout ça. Alors, tu veux tout recasser pour aller vivre de l'autre côté du mur? Allez, viens. Hey, mais tu sais vraiment pas ce que tu veux, toi, hein? Tu changes d'avis comme ça, du jour au lendemain. Tu sais, je pense vraiment qu'il faut que t'arrêtes là.